Et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes aventures de la famille Agdarch en Transylvanie. Laszlo vient de mourir, l'épisode précédent. Donc il vient de mourir comme à l'honorable âge de 67 ans, hein, quand même, c'est pas mal, hein. Il a quand même fait de belles choses dans sa vie, il a quand même hérité de choses et d'autres. Et il a passé la main à son fils illégitime, si plus est, parce que son fils légitime, lui, il est mort. Donc son fils illégitime, Béla II de Transylvanie. Qui a quand même, me semble, moins de possessions que son papillou. Je suis où moi là-dedans? Je suis où? Qu'est-ce que j'ai moi là-dedans? J'ai donc le duché de Transylvanie. Tout ça, c'est à moi. Ok. Et qu'est-ce que j'ai encore? Comte Bia, comte. Ouais, bah j'ai rien d'autre. J'ai juste ça, donc voilà, je suis de retour casse départ. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc on va essayer de profiter de ce nouveau règne pour essayer de... Qu'est-ce que j'ai encore des revendications? J'ai des revendications faibles sur le royaume de Hongrie, ouais, c'est bof. Forte sur le duché de Ungvar. On va peut-être reprendre, on va commencer peut-être par s'intéresser à Ungvar. Donc on fait pour le chef de Bolga et de Marlab. Donc j'ai plus de revendications possibles sur ici. Donc vous savez ce que je vais faire? Bah je m'en fous. De structure fameux tout le monde chez moi et puis pour cette petite guéguerre ça ne me concerne plus. Moi je vais essayer de reprendre mon duché de Ngvar en haut là et après on ira voir pour les revendications sur le royaume. Donc on démobilise tout ce beau monde, hop hop, entre à la maison. Et on va voir ce qui se passe ici, parce qu'évidemment j'ai plus personne. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma cour? En tant que... Donc ici, le mieux que j'ai... Oh là là là, en fait ma cour a été désertée quoi. Waouh. Chancelier, c'est... Mon évêque, maréchal. Oh mon dieu. J'ai que de la merde. Intendant. Bon, Swinny est toujours là, heureusement. Maître espion. J'ai pas mieux que ça. Sérieusement, en plus il m'aime pas, c'est horrible. Et j'ai pas un seul chapelain. Ça fout tout de suite la merde. on va le voir, c'était un mec alors, c'était comment encore? Dans un sigle, inviter un saint homme à la cour, oui. Oui, parfait. Parce que là j'en ai besoin. Voilà, Saxony. Améliorer les relations religieuses avec le pape. Le pape, on continue. Hop. Alors, j'ai planté de boutons. Ah, je peux pas l'envoyer parce que j'ai pas... Je peux pas l'envoyer si loin? Pourquoi je peux pas l'envoyer si loin? Faites un clic droit... Pourquoi je peux pas l'envoyer si loin? Avant, qu'est-ce qui se passe? C'est embêtant. Pourquoi je peux plus aller loin? C'est peut-être parce que c'est le début de mon raid, c'est possible. Faudra, je me renseigne pour ça. Donc, mon évêque, j'avais dit, de fabriquer des revendications. On va reprendre ça. Ça c'est royaume. Relation diplomatique. Ok, là je peux voir que j'ai des revendications sur... Ah, j'ai plus la portée pour aller jusqu'à là. C'est quand même dingue ça. Moche ça. Pacte défensif, zone marchande, non, vassaux direct. Dynastie. On prend une sur la région les Magdars quand même. Royaume de Jure. Ouais, c'est pas... Duché de Jure. Pas tant que ça non plus. Bon. J'ai déjà des revendications fortes pour ce bled là. En soi ça sert à rien d'en faire d'autres. J'ai déjà une revendication forte.
On va envoyer le, sur Pest, comme je voulais le faire avec un slow. Fabriquer des revendications sur Pest, voilà. Là-bas. Ouais, bah, forme des troupes. Habillard, l'intendant. Apercevoir les impôts. Habillard. Monsieur espion, il va intriguer. Défendre. Et toi, bah. Je sais pas du tout. En vrai, votre chaplain s'occupait des imperdus d'un comté, 22 ou 16 hérétiques, non. Chercher pour les équivalents, on va faire ça dans pas les temps. Voilà, après, si je sais pas leur envoyer une voix ou pas, pour pas. Alors, j'ai quoi ici? Avertissement sur la succession de certains vassaux. Les lignes de succession de certains vassaux sont préoccupantes, à leur mort, leur titre risque de quitter votre royaume. Contre Jolan de Fer. Pourquoi? Pourquoi je vais le perdre? Non. Héritier, c'est Sugarka, oh sûr. Et je suis pas du tout d'accord. Puis-je faire pour récupérer ça? Je le donne à quelqu'un d'autre alors. Transférer le les personnages dotés de titres fonciers n'apprécient pas que vous disposez de vassaux et de titres faisant partie de leur domaine. Attends. Ah, ça, transférer vers Comtesse Jolan. Bon. C'est pas ça que je cherche. Amuser un titre, il sera furieux au défaut de pouvoir prétendre un titre. Cela vous coûtera du prestige et suscitera aussi la colère de vos autres vassaux. Ouais, non, bof. Je peux pas le tuer parce que du coup ça va poser des problèmes pour. En plus, il est marié déjà. Ouais, il est marié. Pourquoi c'est lui, elle, l'héritière? Pourquoi elle a pas de gosse? Ah mais en fait l'héritière c'est elle. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que du coup elle partirait ailleurs. Parce que c'est con en date de map. C'est compliqué les lignes de succession. C'est un truc de dingue dans le jeu. Un vrai bordel. Bon. Ok, bah soit. Je verrai ça en temps utile. J'ai pas de régent. Il faut quelqu'un qui soit bon. Ou là-dedans, ou là-dedans. Enfin, en garade. Être régent. Ça va peut-être un peu améliorer ton ta pensée envers moi. Maître des écuries, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir en pote? Toi, j'ai besoin d'être un copain avec toi. Grand veneur. C'est qui ces gars-là? Ah, toujours l'armée hongroise, balade. Je vais mettre mon truc de royaume là, c'est mieux. Hop, hop, hop. Éminence grise pour Valine Swifinifi. Ah oui, c'est le fils de Swin. Il est pas mal du tout au niveau de la diplomatie. Hein. Quelqu'un qui a 16 ans, c'est pas mal. Je vais arranger un petit mariage celui-là. Pourquoi même pas celui-là? Ouais, c'est parce que c'est là. C'est une parente à moi. Ah. Ben, peut-être à elle alors. Pas une bien mal. Pourri, ah peut-être ça aussi. 3, on peut partir. Ah, c'est une lesbienne. C'est rare ça. Ok, pourquoi pas. Mais ça risque d'être embêtant pour faire des successions. Ah, celle-là, pas mal. Éminence grise, danoise, c'est du Danemark. Pas dégueulasse. Une courtisane aussi ici qui est pas là. Pas dégueulasse du tout. Alors on va peut-être. Oh, celle-là, tiens, elle est bien. Envoyé, voilà. D'accord, voilà, j'ai donc une nouvelle personne dans le truc. Elle est plus balèze que. Je sais pas si c'est comme si c'est une femme, du coup ça peut marcher. Là, je vais la mettre ou pas.
Alors, en gros, c'est une femme, je vais pas le voir, je pense. Même con, hein. Un enfant a disparu, visiblement, tout le monde pense que je j'y suis pour quelque chose. Mon soi-disant goût pour les sciences occultes pourrait pousserait chacun à me croire capable d'utiliser les entrailles d'un enfant pour lire l'avenir. Je vais faire de ces ragots. Tiens, le très cynisme, plus dans l'intrigue. Faire des trucs pour. C'est bon, regardant ça. Faire moins 20 par de piété. En même temps, je suis pas le plus pieux du monde. Par contre, c'est un peu moche que j'ai perdu tous mes points de prestige. Je suis quand même vachement bien. Oh, ça s'est mis là, c'est quoi ça? Ah, c'est mon score, d'accord. En fait, ça, c'est le score que j'obtiens. Voilà. D'accord. Je n'ai que faire de ces ragots. Perdre 15 en pété ou en prestige. Ou je gagne 2 en intrigue. Ouais. M'en fous un peu. Ouais. Pom pom pom. Voilà. Un peu que j'avais vu. Tiens, toi tu peux. Je montre un petit peu mes relations. Gaspard, tiens, non, Bertolt. Voilà. Ah, ils sont contents. Et... Bon, on fait une petite pause. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe par là. Je peux lever pas grand-chose, en fait. Une barre. Alors que moi, je peux quand même enlever un peu plus, mais pas sans être extraordinaire quand même. Vache. Mais bon, j'en ai quand même plus, mine de rien. Ce que je vais faire, c'est, je vais déclarer la guerre, je vais essayer de prendre une barre. Je peux déclarer la guerre? Voyons voir si je peux déclarer la guerre. Déclarer la guerre, oui, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour déclarer la guerre et reprendre mon duché. Donc on va le faire. On va le faire, tout simplement. Hop. Déclarer la guerre. Revendiquer une barre. Oui, le duché. Hein. Oui, on va revendiquer tout le duché. Hein. On fout moi d'une. Truc. Pof. Voilà. On mobilise tout le monde. Hop, toi aussi. Yep. C'est parti. On s'en chez lui aussi. On va mettre tout ça. On a. Et. Marton. Et ben toi, tu vas prendre numéro 3, alors voilà. Les 1749 contre. Il va où, lui? Il va le 13 mai, il va là. Moi j'en suis au 24 mai, on va voir. Il va plus. On va chercher un. Balin, Finifi et Edla, on dirait un gosse, ça va vite. C'est parti, Bolin, c'est la guerre. Ça gère, c'est parfait, j'ai gagné. D'accord, très bien. Hop, on passe ça aussi. Oh, joli pour Camilla là. Feu d'or, 12. Pas mal. Qu'est-ce que je peux avoir comme mariage encore? Un mariage matrimonial, c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Prince de Bohème. Il est un peu con con, lui. Courtisans de Zviak. Tout pour aussi. Personne inquiet. Oh, bon. J'ai intéressant. Rico peut-être.
Qu'est-ce que plutôt prends plus, tiens. Voilà, hop, c'est parti. On se passe ma petite guerre là. C'est mon neveu, le duc de Nova. D'accord. Après avoir. Lors de mon autocritique, j'ai pensé à mes forces et à mes faiblesses. Après avoir sondé mon âme pendant 20 heures, j'ai conclu que je n'ai aucune honte à savoir. À avoir de quoi que ce soit. Et du coup, il a orgueilleux, prestige mensuel plus 50 pour moi encore. J'ai beaucoup de force, mais j'ai encore plus de faiblesses. Humilité. Rien à foutre. Orgueilleux. Ouais, il est bouté de chez moi, ces cas-là. On va combattre encore. Casser le siège. Oula. Enflé. J'ai perdu. Sérieux. Hey, d'où ce qu'ils viennent, ces gens-là? Ah ben, on va aider ceux-là. À la bonne heure. Une dîme spéciale, on peut cracher dessus. Bon, là, du coup, je suis emmerdé. Ouais, bon, on va attaquer Barig alors. On peut lever des jambes ou quoi? Non, je peux lever évidemment. Ah, c'est quoi cette défaite de merde alors que. J'étais bien parti. Bon, à cause de mon maître de. Enfin, mes généraux qui sont pourris. Une défaite. Ok. Enfant sans tuteur. Si un tuteur. Ok. On en pose. Je vais voir ça après. Parce que quand on conseille. Ah, plus de job là. Ok, super, génial. Je vais payer un mec pour le venir, il se casse. Là, vous n'êtes pour nous qu'un usurpateur, Ildiko Magdash et les véritables dames de Transylvanie, reconnues par la majeure partie des membres de la noblesse relancée au titre où la guerre sera déclarée, niée contre Jolan de Feher. Mais je t'emmerde. Jolan de la révolte Transylvanie a déclaré la guerre. Ah, oh, ça vient, faut patate, hein. L'ordre militaire a été fondé, les Templiers. Par un groupe de 8 cavaliers, les pauvres chevaliers du Christ et le Temple Salomon, également appelés Templiers, ont juré de protéger les pèlerins. Blablabla, blablabla. Bla bla. Ok, bon, pas le moment de s'occuper de ça, je suis assez dans la merde comme ça. Les bandes rebelles de protéger ont hissé la manière du. Ont hissé la manière du. Bon. Problématique là. Ça se lève de partout. Je suis vraiment dans la merde. Bon, moi j'ai du tour ici, déjà ça. Il m'a siège là-bas maintenant, c'est cochon. Ils sont deux fois plus nombreux que moi. Eh. Problème. Je peux essayer de faire jouer mes relations diplomatiques pour avoir des alliés. Évidemment. Ah, je dois perdre mes trucs les uns pour les autres, c'est pas cool. Un entrepreneur long voyage en direction de Break, mais dans une carriole fermée en compagnie de quelques gardes de confiance, mais alors que vous engagez dans une pente escarbée sous plan bord ravin, vous constatez que le véhicule prend de plus en plus de vitesse. Excellent, nous arrivons plus vite à destination. La carrosse prend de plus en plus de vitesse. La bande abrupte, en regardant par la vitre arrière, vous voyez un homme vous faire un signe d'adieu en tenant les rênes de deux chevaux que vous connaissez bien. C'est seulement lorsque le carreau survole le bord du ravin que vous rendez compte qu'il s'agissait de votre cocher. J'ai été assassiné. Oh.
Merde, Duc Bellador rendu l'âme, il est mort dans les circonstances suspectes à l'âge de 36 ans, coupable du péché d'orgueil. Il voulait que tout le monde connaisse sa grandeur, une mauvaise personne paierait pour ses péchés dans l'autre. Le duc Génois, à peine âgé de 14 ans, lui succède. Le pays est laissé entre les mains d'un régent du conseil. On vit à Genoa désormais notre duc. Ok. Bon. Ok, donc j'ai. Super. Donc j'ai Génoa. Oh, je suis dans la merde. Ça va être compliqué de se relever de ça, je pense. Mais un intendant, bah, Sweeney toujours. Heureusement qu'il est toujours là, lui. Même s'il se fait vieux, mon petit Sweeney. Bordel. Voilà. J'ai toujours pas de chancelier. Bon. Pas facile dans les avancées technologiques. En pause de seconde, parce que là c'est quand même bien compliqué. Alors, différents terrains d'entraînement, casernes, permettent une meilleure levée de troupes et d'impôts dans les châteaux. Bah, hop, voilà. Infrastructure religieuse aussi, tant qu'on y est. J'ai encore ici. Hop, voilà. Pause vacant conseil, je suis au courant. On va chercher quelqu'un alors. Je peux plus. Je peux pas s'épiéder, super. Enfant sans tuteur. Il y a tuteur. J'entends. Enfant sans tuteur. Pas d'héritier à ma dynastie. Trop passionnant. J'arrive à renforcer ces gars-là, mais quand j'y arrive, ils sont plus nombreux que moi. J'y arriverai pas là, je suis en train de perdre. Pas le choix, je dois forcer là. Le siège. Arranger un mariage. Oui, bah oui, moi. Avec. Pouah, comment j'ai trop le choix, quoi. J'ai l'embarras du choix. Quelle merde. Pas marrer cette vieille là. C'est immonde. On dirait presque la présidence française. Alors. À Martha, ça sera. Hein. Là je suis profondément à la merde parce que là je sais plus du tout quoi faire, je peux plus lever de gens, je sais plus rien. Je sais pas comment forcer le passage. Je vais demander la paire, hein. J'ai pas le choix.
Oui, je vois. Il me reste quoi alors, moi? Ouais, c'est quand même encore le duché, ça va. Ah, il y a encore l'autre là qui est en train de m'attaquer? Rigole. Duché, c'est le dico d'Ungvar, a usurpé le titre du jeu d'Ungvar et après un con. Ouais, bah voilà, tiens, ça te l'apprendra. Chacun son tour. Trop vite tout ça, j'arrive pas à suivre poste de vacances, conseil toujours. Ouais, bah oui, mais j'ai toujours pas de chaplain. J'ai toujours pas assez de pitié pour aller chercher un. Pas d'héritier, oui, c'est toujours. C'est une ambition. Bah ouais. Bon, fils. Oui, c'est bien. Titre mineur. Bon, bon. Domaine personnel trop vaste. Bah ben oui, mais bon, pas faire grand chose à ça. Nous différents contre Jola de la révolte simonienne. Bon, bah je vais en rester de façon pour cet épisode-ci, c'était une bonne catastrophe, j'ai l'impression que là, ça est en train de sentir mal, là. Franchement, la succession de Laszlo, dur, hein. Laszlo était vraiment bien ancré, il était vraiment fort, mais alors là, son fils qui s'est fait tuer en plus, et son petit-fils, il vaut pas beaucoup mieux. Bon, il y a du potentiel, hein, compétence d'état. Ouais. Les conseillers, ouais. Enfin, bref. Enfin bon, j'en suis donc à 4126 points, c'est quand même pas la panacée. C'est quoi ça, la taille du pays? Ouais, ouais, ouais. Si vous avez des bons conseils à me fournir, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à me les donner. Parce que là, je suis vraiment dans la merde. Donc je vous dis ben, à la prochaine pour la suite des mésaventures de la famille Magdarch en Transylvanie. Ciao.